Je suis rassuré parce que rendre hommage au président de la République veut dire prier pour lui au quotidien. Veut dire prier pour le président de la République. Prier pour que la Côte d'Ivoire se porte bien. Et qui mieux que la mère peut prier pour son enfant. Merci pour vos prières, chère maman. Merci pour ce grand homme que nous appelons affectueusement notre papa, notre baba, notre grand chef, le président de la République, un homme de vision. Grâce à lui aujourd'hui, l'électricité est une réalité dans notre zone. Les femmes peuvent s'attarder au marché parce que nous avons maintenant l'électricité dans la ville de Kibéroa. Nous avons l'électricité à Galébré. Bientôt, ce sera à Dignamou. Aujourd'hui, les femmes ont un début de réponse à la grande préoccupation qui était l'eau. Nous sommes au deuxième forage, bientôt la mise en marche du troisième forage à Guibéroa. Et ça, il y a un seul nom, le président Alassane Ouattara. Comment ne pas lui dire merci? Lorsque pendant des années, Guibéroa est resté aux oubliettes, comment ne pas lui dire merci? Lorsque pendant des années, la région du Goa reste aux oubliettes et il a fallu un homme pour se souvenir de nous. Et cet homme-là, personne d'autre que le président Alassane Ouattara. C'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité. Et je regarde mes soeurs des Dignago, je le dis. Cette sous-préfecture, pendant des années, n'a pas eu d'ambulance. Il a fallu le président Alassane pour qu'elle reçoive sa première ambulance. Donc pour moi, le développement rime avec le nom du président de la République, Alassane Ouattara. Il n'y a pas mille chemins si nous voulons le développement. Il n'y a pas mille façons de célébrer ce grand homme si ce n'est que lui dire merci. Par vos pas de danse et par votre présence massive. Et je lui dis waouh, vous êtes formidable, cher maman. Pas pour le tourner, à tout le monde, il y a un peu de bruit, 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 il y a un peu de bru